Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le Facebook Live. On est en début de semaine lundi. Je crois que c'est la cinquième semaine de confinement et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'un joueur du circuit européen, Robin Roussel. Robin, merci beaucoup d'être avec nous. Salut, oui, salut à tous. Tu m'entends? Tout va bien au niveau technique? Tout Tu me vois bien, bien? Tu m'entends bien? tout bien, j'espère que vous aussi. N'hésite pas à me dire s'il y a un Nickel. petit souci pendant le live. Pendant le live. D'ailleurs, on va en profiter pour saluer toutes les personnes qui sont connectées. Il y a Michel Boucharia qui est là. Donc, si vous m'entendez, vous nous voyez, que ce soit moi ou Robin, s'il vous plaît, mettez juste un petit bonjour dans la zone de commentaires pour nous indiquer que vous nous voyez. Et donc, le but de ces Facebook Live, surtout quand on profite du fait qu'on peut passer un peu de temps avec des joueurs du niveau d'Europe 1, des joueurs du circuit européen, on a l'occasion de vraiment de rentrer à l'intérieur de ce que fait le joueur au quotidien pour lui permettre d'être aussi performant. Donc on en a parlé juste il y a un instant en off avec Robin, et le but c'est que Robin en fait va partager avec nous les éléments qu'il fait avec son coach, avec son staff, son préparateur physique. Robin m'a communiqué hier soir en fait la liste des personnes qui entourent son staff, et donc Robin va partager avec nous chaque aspect et comment lui, en fait, il progresse au quotidien. Parce que je pense, et on a parlé juste avec Robin, que la plus grande différence entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs aujourd'hui dans leur façon de s'organiser, c'est dans la façon de s'entraîner. Je pense qu'il y a vraiment, il y a l'entraînement qualitatif qui rentre en main. Et toi, Robin, c'est pour ça que je voulais vraiment échanger avec toi à ce sujet. Alors, il y a Jean-Philippe Prince qui dit salut messieurs, Grégory. Alors, je suis désolé, il y a les noms de famille là. Kneweiss, c'est peut-être une personne que tu connais parce qu'elle dit Looking Good Ouais, Robin, donc ça doit être un ami à c'est toi. gentil. Journal Effectivement, du golf, évidemment, qui est là, qui est sur la technique. On remercie Rémi Rivière qui est derrière l'écran, qui est en train de surveiller les commentaires. Donc, Robin, déjà, la première question, c'est ce confinement. En fait, j'ai dit 5 semaines, mais on rentre dans la sixième semaine aujourd'hui. On sait que voilà, on va sortir le 11 mai, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner au niveau des golfs. Ma première question à toi, c'est qu'est-ce que tu fais depuis qu'on est rentré de ce confinement pour te permettre de continuer à progresser dans ton golf? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique sur la préparation physique? Est-ce que tu as de la place chez toi pour t'entraîner peut-être au putting? Raconte-nous un peu tout ça. Écoute, je t'avoue que depuis que je suis rentré du Qatar, qui était notre dernier tournoi où on a pu jouer, niveau golfique pur, j'ai pas pu faire grand-chose. Du coup, moi j'ai la chance quand même de pouvoir m'entraîner pas mal physiquement chez moi et dans une salle où j'ai les clés juste à côté. Du coup, je bosse énormément physiquement. Je fais pas mal de choses que je peux pas faire tout au long de la saison parce que avec les échéances golfiques, il y a des programmes physiques entre guillemets qu'on peut pas faire dans la saison. Du coup, j'en profite pour faire des grosses semaines de muscu ici. Donc ça, c'est cool. De chez toi directement, t'as une salle, Ouais, de chez moi et t'as du j'ai une salle matériel? aussi. Ouais, quand je fais une séance de cardio, bon, je vais pas à la salle parce que je peux très bien la faire ici. Et sinon, j'ai une salle à dispo juste à côté de chez moi à 3 Ah, ça minutes. c'est Donc, super ça, c'est ouais, super. ça Et c'est donc top. Il n'y a tu... que moi qui l'utilise. Du Ouais. coup, il y a David qui m'envoie les séances et je peux faire du bon taf là-dessus, quoi. Donc ça, c'est très cool. Donc David, c'est ton préparateur physique qui te suit tout Exactement, au long de Baudry, ouais. l'année. Voilà, et ce qui est intéressant avec quand j'ai l'occasion d'échanger sur la préparation physique pour le golf spécifique pour les joueurs professionnels, c'est que il y a des moments dans la saison où vous avez des thématiques en particulier. Il y a des moments où vous allez bosser plus en force, il y a des moments où vous allez plus réduire l'intensité de quand vous allez pousser en fait parce que vous êtes en semaine de tournoi. Et donc là, en Ouais, quelque sorte, exactement. cette période de confinement, c'est un peu comme une période hivernale où vous n'êtes pas en tournoi et donc du coup, tu as l'occasion de prendre en force et prendre en puissance et en vitesse. Ouais, tout à fait. Moi, bon, je le prends pas comme une chance, hein, ce confinement, c'est sûr, mais faut essayer de le tourner un petit peu comme on peut dans une manière un peu positive. Et ce qui était bien sur le Challenge Tour, c'est un des seuls aspects positifs du Challenge Tour, c'est que finalement il y a un gros break pendant l'hiver et du coup là tu peux vraiment pas mal bosser physiquement. Et par contre tu vois nous on a fini en novembre la finale du Challenge Tour et le premier tournoi du Tour européen à Leopard Creek c'est 2 semaines Juste après. Du après. coup tu as le temps de rien faire quoi. T'as pas le temps de te remettre physiquement de ta saison de Challenge Tour parce que Challenge Tour par contre quand ça commence toutes les semaines t'enchaînes grave. Et du coup j'ai pas du tout eu le temps de faire un break et de recharger les batteries ou de refaire un bon cycle de muscu.
Et du coup, voilà, ouais, là c'est vrai que j'en profite bien, mais après, ça dépend. Il y a des joueurs qui vont axer leur préparation physique en fonction du cycle ou des 2 3 semaines qu'ils ont choisi dans leur calendrier où ils savent que voilà, ces 2 3 semaines-là, je veux être performant. Du coup, ils vont axer leur préparation physique. Je vais faire la force cette semaine-là, l'explosivité ici, la vitesse là. Comme ça, cette semaine-là, je vais être très en forme. Et il y en a d'autres, dans mon cas, où bah, malheureusement, on ne peut pas vraiment cibler les semaines dans le calendrier parce que nous, venant du Challenge Tour, on ne peut pas jouer les très gros tournois, style Dubaï, Abu Dhabi, tout ça. Et dès qu'on va pouvoir jouer, bah, on y va, tu vois. Donc, je ne peux pas vraiment faire une sélection dans le calendrier. Du coup, j'avais pas prévu de faire vraiment des énormes semaines de force parce que je ne savais pas trop quand est-ce que j'allais pouvoir jouer et quand est-ce que j'allais pas pouvoir jouer, du coup. Et du coup, voilà, là, les 6 semaines, je t'avoue que ça me fait quand même pas mal de bien parce que de un, j'étais pas trop en forme en début de saison, j'avais des petits soucis de santé, je savais pas trop ce que j'avais. Donc j'ai pu bien reposer, recharger les batteries, et là, ça fait 4 5 semaines que je fais du bon sport et du bon boulot. Donc je suis content de la tournure que ça prend malgré tout parce que j'ai de la chance, comme vu que j'ai de la chance d'avoir une vraie bonne salle de sport à dispo. Je sais que je prends pas de retard, voire je prends un petit peu d'avance sur ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, donc ces dernières semaines, à travers le confinement, tu dis, il faut toujours tirer le positif. Et ce qui est hyper positif à travers ce qu'on réalise dans les lives, c'est qu'on a l'occasion d'échanger beaucoup plus avec des joueurs du circuit européen. Parce que quand vous êtes en saison, bah, c'est normal, c'est un peu plus compliqué. Attends, il y a du son. Pourquoi il y a du son? Il y a du son de ton côté? Moi j'entends, je t'entends très bien. Je sais pas ce qui se passe. Alors attends 2 secondes, je sais pas pourquoi. Excuse-moi 2 secondes. Voilà, c'était du côté de. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, il y avait un écho énorme. Mais là, normalement, au niveau du son, on doit être bien. Alors, Robert, ce que je disais, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, quand on échange avec des joueurs du circuit européen, c'est que évidemment, l'accent est mis sur la préparation physique durant ce confinement. Et ce qu'il faut surtout pas, comme tu dis, c'est prendre du retard parce que même s'il n'y a pas de Ouais, golf, c'est sûr. il y a d'autres parties que vous êtes en train de bosser. En fait, un joueur du circuit Ouais, est c'est sûr. constamment en train d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, quand on regarde les différentes variabilités qui existent dans la performance au golf, on a le mental, on a la technique et on a la préparation physique. Et donc, du coup, certains joueurs, on a pu échanger avec Alex Lévy, avec Romain Langas, qui profitent de ce confinement pour justement se mettre au top de leur forme physiquement pour que Ouais, quand ils c'est ça. reviennent, que lorsqu'ils reviennent, en fait, ils reviennent en étant meilleurs qu'avant physiquement. Donc il y a toujours cette notion de, OK, il y a le négatif à travers ce confinement, on est à l'intérieur, on ne peut pas aller sur les parcours, mais on sélectionne la partie sur laquelle on peut travailler, et puis là, on y va à 3000%, et donc c'est intéressant de voir comment toi tu fais. Donc tu as la salle de sport qui est dispo à côté de toi, ça c'est juste fantastique. Est-ce que tu Ouais. peux parler de peut-être deux, trois exercices, peut-être que tu préfères, que tu pourrais Ouais. conseiller aux joueurs amateurs, des choses que tu fais au quotidien qui te permettent justement de t'améliorer dans ce domaine-là? Bah moi, le truc que je fais tous les jours, déjà, bon, le truc qu'il faut faire tous les jours que David me rabâche sans cesse, c'est que j'ai vachement de mal à m'y tenir, c'est les étirements. On se rend pas compte à quel Mobilité, point ouais, ce que c'est. j'allais dire mobilité. J'étais sûr quand tu parlais comme ça que tu allais Bah, dire mobilité. ouais, c'est donc ça, c'est hyper important. Et le deuxième truc que moi je fais vraiment tous les jours, que je m'astreins à le faire, c'est ça prend pas longtemps, c'est 10 minutes de gainage que moi je fais, voilà, je le découpe en 2 fois 5 minutes. Voilà, c'est 1 minute de planche classique, 1 minute sur chaque côté en planche encore une fois, 1 minute sur les fesses avec épaules et jambes levées, et 1 minute de planche classique. Donc ça fait un tour de 5 minutes. 1 minute de repos et je refais un tour. Donc ça, c'est voilà, c'est hors séance force ou séance vitesse. Ça, c'est en complément. Ça, c'est à faire plus ou moins tous les jours. Et voilà, ça, c'est bon. C'est juste histoire Ce qui est de finir. génial là, Robin, dans ce que tu dis, je fais la petite aparté, parce que tu vois, tu viens de parler de mobilité et en même temps de travailler la stabilité du corps à travers cet exercice de gainage. Donc ça permet au golfeur Ouais. finalement d'avoir plus de flexibilité, d'accord? Donc d'avoir une meilleure rotation, parce qu'on dit souvent que les golfeurs ont des problèmes de dos, et donc du coup, ben voilà, de travailler la mobilité et à la fois le gainage, ça va vous aider avec les C'est clair. problématiques ou plutôt des limitations physiques que vous pourrez
pourriez peut-être avoir. Vous avez le meilleur des deux mondes à travers des exercices spécifiques de mobilité et en même temps un petit peu de gainage. 10 minutes, comme tu dis, on n'a pas besoin de faire des séances d'une demi-heure ou d'une heure sur le gainage. 10 minutes, 2-3 fois par semaine, c'est déjà un bon début Ah oui, pour ça le joueur fait. amateur qui nous regarde. Peut-être que vous l'effectuez un peu plus, mais toi, tu préfères le faire. Dis-moi, parce que moi, je suis curieux. Donc, moi, je fais du sport comme toi pendant cette période de confinement et le gainage, c'est quelque chose qui me concrètement, à la fin de la séance de sport, ça me saoule en fait. Je suis là, je me dis, je suis Ah ouais, je fatigué, j'ai comprends. pas envie de faire de gainage. Donc, souvent, je le fais au début, moi, de ma séance. Est-ce que toi, tu préfères le faire au début ou à la fin? Est-ce que tu t'en sers comme échauffement? Comment tu le fais le En gainage? fait, ça dépend. Moi, j'ai pas de préférence dans le sens où je sais que je dois le faire. Donc, Ouais, c'est bon, ça. Moi aussi, mais je sais que je dois le faire. c'est vrai que des fois, c'est plus dur. Mais en fait, par exemple, dans les séances de force, je vais plutôt le faire à la fin parce que comme les séances de force, voilà, c'est 3 x 3 et c'est des charges assez lourdes. Du coup, en début de séance, je sais que j'aime bien économiser le plus de force que je peux. Du coup, je fais juste un petit échauffement de 10 minutes et le gainage, je me le garde à la fin. Parce que ouais, je sais que si je le fais au début, je vais peut-être avoir un peu plus de mal à gérer ma séance de force derrière. Voilà, je Ouais, préfère c'est très économiser intelligent, chaque force bien sûr. que j'ai, tu vois, dans les épaules. C'est rien, mais bon, si je peux gagner un tout petit peu là-dessus, du coup, les séances de force, je le fais plutôt à la fin. Sinon, tu as raison, il y a des séances où je le fais au début, dans les séances de retranscription en vitesse ou en explo, voilà, je peux le faire au début, à la fin, ça, y a pas Il y a de règle, entre guillemets. une chose que tu as dit qui est vraiment très intelligente, c'est que tu dis, voilà, je mets la priorité sur ce qui est le plus important et le plus dur au début. Donc souvent, voilà, au début de la séance, on va partir si, par exemple, vous travaillez sur du full body, donc si vous avez tout le corps. Une petite astuce que je peux vous donner, c'est peut-être commencer par les squats en premier, parce que vous allez pouvoir mettre des charges lourdes, et donc du coup, vous allez puiser en fait sur ces charges lourdes que vous allez faire au tout début. Et puis à la fin, vous allez plutôt vous orienter vers les petits muscles ou vers un travail, Ça. comme l'a dit Robin, de gainage. Donc voilà, donc commencez par le plus dur, la priorité, et puis ensuite, en fait, on décline. Et c'est pour ça que souvent, le cardio, on le fait à la fin de la séance, parce que justement, on va pas se brûler à travers faire beaucoup de cardio, et puis ensuite faire de la force, et c'est très compliqué, n'est-ce pas, Robin? Exactement, c'est moi je commence toujours par les squats. C'est marrant que tu dis ça. Ouais. Ok, top. Et donc, on a des commentaires là, Romain, des personnes qui sont connectées. Il y a le Ops Open de France qui est là. Bravo pour ta saison 2019 sur le Challenge Tour et pour ton début de saison 2020 chez les grands. Julien Nazarian qui laisse ce commentaire. Nicole Via C'est adorable, je qui les dit. embrasse parce que c'est un super tournoi et c'est une super organisation et c'est toujours voilà, ça va me manquer de pas y aller cette année à ce super tournoi, vraiment. Ça a mal pour un bien. Enfin, tu vois, tu Oh n'y ouais, vas bien pas pour les sûr, bonnes non mais raisons. c'est sûr. Tu n'y vas pas pour les bonnes Non, je suis raisons. d'accord, mais bon, ça va Il manquer quand même. y a une personne qui dit, si on prend trop de muscles, est-ce un danger pour le swing ou le putting même? Alors, est-ce que toi, tu as des échanges avec ton coach sur la prépa physique sur cette question? Ouais, bien sûr, on en parle. Après, ce qui est super avec David, c'est que voilà, les choses elles sont claires dès le début, et ensuite, voilà, il t'explique tout bien au millimètre près, et ensuite tu sais que tu peux bosser quasiment sans, enfin même 100% sans te poser de questions. Et du coup, moi je sais qu'avec les séances que je fais, tout est organisé pour que ce genre de problème ne m'arrive pas en fait. Donc c'est pas comme si je soulevais tous les jours 150 kilos sur un banc au développé couché. Donc non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire. Je fais que 2 séances dans la semaine de force, et après chaque séance, le lendemain, je fais une séance de retranscription de vitesse et d'explo. Du coup, tout de suite, enfin, c'est pas des séances pour faire gonfler réellement mes muscles. En fait, c'est vraiment Bien sûr. des séances qui sont là pour que mon muscle il soit juste plus performant et pas qui devienne pas monstrueux, si tu veux. Il y a une autre Donc chose aussi non, qu'il moi faut j'ai pas préciser, peur. c'est que prendre du muscle, ça prend du temps aussi. Ça prend beaucoup de Ah temps et bah, beaucoup de on parle travail. pas. Donc déjà, avant d'arriver à un point où on prend beaucoup de muscle, à part Bryson DeChambeau et Brooks Koepka sur le PGA Tour Ouais. qui ont pris de la masse incroyable en peu de temps. Du coup, Rentrera pas dans les détails. ouais. Tu vas avoir des ennuis sinon. Non, j'ai rien dit, mais je pouvais pas m'empêcher le petit sourire à la fin. Mais c'est très compliqué de prendre de la masse en C'est plusieurs clair. semaines, voire plusieurs mois. C'est quelque chose qui Ah, est c'est sûr. compliqué. Donc du coup, on n'a pas peur de mettre des charges lourdes parce que voilà, on sait que
Tu vois, quand tu parles de squat tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à mettre, évidemment, on commence au niveau où on peut, et puis ensuite, on Ouais, bien augmente les sûr. charges chaque semaine. Mais moi, c'est quelque chose personnellement que j'ai fait l'année dernière, et ça m'a aidé énormément avec ma vitesse, ma puissance, ma stabilité. Donc, je tapais Ouais, plus c'est loin cool. et plus droit, grâce à une préparation physique que j'avais faite sur 3-4 mois, qui m'avait vraiment, vraiment aidé. La meilleure chose, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de vous rapprocher d'un préparateur physique, Ah oui, si c'est sûr, faut pas possible, le faire tout seul. spécialisé dans le golf. C'est clair. Juste pour les personnes qui ne connaissent pas le nom de famille de ton coach, parce que tu as précisé que c'était David, est-ce que tu peux juste Oui, pardon. préciser? Donc c'est David Baudrier qui est à Ouais. Saint-Césaire dans le sud-est. Et je vous conseille vivement, Cool. bien Ah, sûr. je souris parce qu'il y a une personne qui a. Donc la personne qui a posé cette question s'appelle Jo-Philippe Ronneberger, qui nous a donné des superbes images que je suis en D'accord. train de montrer en même temps des images de ta saison 2019 où il t'a filmé. Et puis en même temps, il y a une personne qui doit connaître Gentil. Jean-Philippe, qui s'appelle Yvan, qui dit en même temps, JP, il a zéro risque d'en prendre trop. Donc tu vois, ça se clash D'accord, je dans vois. les commentaires. C'est pour ça que tu me vois sourire de temps en temps. Il y a Ok. Marc-Antoine Normand qui est là, qui dit bonjour Lewis et Robin. J'étais à Saint-Omer pour la victoire de Robin en 2019. Quelle belle victoire. Donc tu vois, tu as des personnes qui C'est te suivent, gentil, qui. c'est adorable. Ouais, donc ça c'est vraiment cool. Alors juste pour en finir un petit peu sur cette préparation physique, avant de parler un tout petit peu des autres domaines de ce que tu fais au quotidien, je suis en train de montrer en même temps les images, parfait. Est-ce que tu peux nous parler de quand tu es en semaine de tournoi? Donc là voilà, on sait que en ce moment on est pendant le confinement, Ouais. tu favorises des charges lourdes pour voilà, profiter du fait que tu n'es pas en tournoi pour justement faire les choses que tu ne peux pas faire quand tu es en tournoi. J'ai une question tout à l'heure sur le matin quand tu te réveilles, tu es en tournoi, le jeu du jeudi au dimanche. Qu'est-ce que tu vas faire comme réveil musculaire? À quel moment est-ce que ça commence pour toi quand tu te réveilles avant d'aller au parcours? Est-ce qu'il y a un réveil musculaire? Est-ce qu'il y a un travail musculaire? Enfin, parle-nous un petit peu de ta routine sur la prépa physique avant le Ouais. parcours. Très bien. Alors ça dépend toujours du tee time, si tu veux, mince, Ouais, le départ, le l'horaire de départ. départ, Ouais. exactement. Par exemple, le jeudi, disons que je joue à, j'ai que départ à 9 h. Donc, donc je travaille depuis 2 ans, c'est la deuxième année, avec un nutritionniste. Donc, Super. voilà, lui me dit que le petit déjeuner, c'est minimum, si tu veux vraiment optimiser le truc, c'est 3 heures avant l'échauffement. Donc, si je vais au practice 1 heure avant le départ, le départ c'est 9 h, j'arrive au practice à 8 h, du coup il faudrait que je petit-déj à 5 h. Bon, c'est un peu extrême. Du coup, moi je pousse un peu, je fais 2 heures avant l'échauffement, le petit-déj. Du coup, 3 heures avant ma partie. Départ, ouais. Du coup, je sais que départ 9 h, ça fait petit-déj 7 h, ça fait que mon réveil, je vais le faire à 6 h 30, tu vois. Donc, puisque le réveil c'est un quart d'heure, plus ou moins. Et donc, les exercices dans le réveil, c'est beaucoup beaucoup de mobilité et beaucoup beaucoup d'étirements actifs. En fait, c'est les étirements que tout le monde connaît, sauf que tu greffes quelques exos de mobilité par-dessus. Et voilà, du coup, c'est pas des étirements, c'est pas des trucs drastiques, c'est pas des exercices qui vont te faire mal aux muscles, c'est juste des De exercices qui vont l'activation chauffer musculaire. exactement, qui vont activer les muscles, qui vont commencer à un peu déverrouiller toutes les articulations. Ça a rien de fou, mais voilà, c'est des trucs qu'il faut faire. Ça n'a rien de fou, mais ça fait la différence qu'on arrive au practice quand même. Hein, parce que tu Ouais, sais, exactement. quand tu arrives au practice et que tu n'es pas échauffé et que du coup, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes pour sentir que le corps se réveille, alors que quand tu as fait des C'est ça. exercices de mobilité en plus qui sont dédiés au golf, dans le sens où il y a des exercices de la rotation avec de la stabilité, voilà, moi ce que j'appelle de l'activation musculaire, parce qu'en quelque sorte, tu réveilles les muscles et la façon dont tu vas swinguer dans ton réveil musculaire, alors que C'est quand tu clair. vas sur le practice, tu as l'impression d'être déjà, voilà, d'avoir déjà cette rotation qui est présente, d'avoir déjà ce corps qui fonctionne correctement, tout est fonctionnel, et donc du coup, tu perds pas de temps quand tu arrives au Non, practice c'est clair. à. T'as la notion de perte de temps et t'as un autre truc, moi, c'est le truc qui m'a vachement frappé, entre guillemets, depuis que je le fais. En fait, c'est que, voilà, moi, il y avait des matins où j'arrivais au practice. La plupart, d'ailleurs, de mes échauffements, quand j'arrive au practice, la première demi-heure ou les 20 premières minutes de ma séance de practice ou ma séance d'échauffement, à chaque fois, mais tout le temps, c'était des balles. Ouais, je mettais toujours 20-25 minutes à taper des bons coups, tu vois. Et du coup, t'es là et tu cherches et tu te dis, sur les 20 premières minutes, tu te dis, putain, pourquoi ça allait par ici? Hier, elle partait comme ça. Et donc, tu commences déjà à trafiquer dès la séance d'échauffement, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ta technique. C'est juste que ton corps, il est encore froid, et il pionce son corps, et c'est juste parce que vu que t'as pas fait le réveil et tout qu'il fallait,
bah ouais, ton corps il est juste pas prêt à performer. Et du coup, le fait de faire le réveil, tu arrives au practice, tu es déjà chaud et t'envoies direct. Alors, si ce jour-là, tu es en forme et que tout va bien, bah, t'envoies direct des traits et ça te met vachement en confiance. Et du coup, ta séance de practice, c'est une vraie séance d'échauffement. C'est pas une séance où tu arrives au practice le matin avant ta partie et tu cherches comment tu vas jouer aujourd'hui et quelle va être la. Comment tu vas pouvoir bloquer tes mauvais coups, contrer tes mauvais coups, tu vois, c'est une séance où juste tu vas t'échauffer et tu vas te mettre en confiance pour ta partie. Et moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé, au-delà du fait que ça m'échauffe, ça me met surtout plus en confiance qu'avant, en fait. Avant, je partais sur le parcours et voilà, j'avais fait ma séance de practice où j'avais tapé 10 grattes, 3 tops, 3 skies, 3 hooks. Et tu arrives au départ du 1, tu en as déjà mis une à droite, une à gauche au practice, tu sais pas où elle va partir. C'est plus là où moi ça m'a vachement aidé le réveil musculaire. Ce qui est top dans ce que tu dis, Robin, et c'est là où c'est vraiment, vraiment important pour les personnes qui nous regardent de comprendre ce que Robin a dit. Là, il y a une phrase clé, c'est que quand il arrive au practice et qu'au début, voilà, il avait des trajectoires de balles non souhaitées, donc des trajectoires de balles avec beaucoup trop de dispersion, il se posait la question, merde, enfin, techniquement, qu'est-ce qui va pas? Hier, ça allait bien, etc. Alors que maintenant, il y a cette notion, à travers l'expérience que tu as et à travers le travail que tu as fait avec ton préparateur physique, de comprendre que une mauvaise balle, c'est pas forcément dû à une problématique mécanique ou technique. Exactement. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et moi, je dis d'ailleurs que quand on est sur un parcours de golf et qu'on a fait un mauvais shot, la technique, ça doit être la dernière question qu'il faut se poser, quoi. C'est d'abord, comment est-ce qu'on se sent physiquement? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est en bonne forme? Est-ce qu'on est fatigué ou pas? Est-ce qu'on s'est hydraté, alimenté de la bonne façon? Ensuite, est-ce que c'était peut-être une erreur stratégique, le coup, ou mentale? Et ensuite, en dernière position, vient l'aspect mécanique et technique. Parce que sur le parcours, c'est la dernière chose qu'on peut réellement se Ouais, focaliser, touché, ouais. c'est ouais, voilà, ou toucher ou changer, comme tu dis, voilà, c'est cette partie technique. Donc vraiment très 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 important de comprendre, c'est un, ces limitations physiques, et deux, à quel point ce réveil musculaire que Robin indique, comment cela pourra vous aider. Alors on voit qu'il y a des questions sur justement, bah, quel type d'exercice. Alors je sais que c'est pas évident à expliquer comme ça, alors qu'on est en, voilà, on est confiné chacun chez soi, Robin chez lui, avec les bouquins derrière lui, et puis moi chez moi avec les derrière moi. Mais c'est voilà, sur YouTube, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Et puis d'ailleurs, sur le journal du golf, sur le site, on a fait des vidéos avec le prépa physique de Ben Hébert, que tu connais bien, Ouais, Robin. exact. Et puis on Seb. a fait des vidéos dédiées sur la mobilité. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Franchement, on a fait des super vidéos avec des spécialistes qui pourront vraiment vous donner un bon point de repère, ou en tout cas un bon début. Donc ça, c'est top. C'est vraiment intéressant, hein, de parler avec toi, Robin, de discuter un petit peu de, voilà, J'essaye, du j'essaye. travail off-season, et le off-season, et le quand tu es en tournoi, donc pendant la semaine, comment tu travailles, etc. Dernière question qui me vient à l'esprit, là, après le parcours, qu'est-ce que tu fais pour, tu vois, le 18, on parle souvent du 19e trou, donc le 19e trou pour les amateurs, on le connaît, mais toi, pour le 19e trou, quand tu finis Des ta fois, on a le partie, même, hein, parfois. ouais, des fois on a le même, non Oh. mais on ne dit pas qu'il ne faut pas y aller, hein, voilà, la petite bière à la fin du parcours, elle fait du bien aussi, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais après ton parcours pour te permettre de décompresser, ou parce que le travail, il se finit pas uniquement sur le green du 18, il y a Non, une c'est petite sûr. séance de décrassage qui se fait après peut-être. Qu'est-ce que tu fais Ouais, après le c'est sûr. parcours pour te permettre d'être optimal pour le lendemain? Ça, pareil, encore une fois, ça dépend comment la journée s'est déroulée. Là, j'ai en mémoire le dernier tournoi qu'on a fait, par exemple, enfin le dernier, l'avant-dernier à Oman. Il y a un tour que j'ai fini très tôt, parce que je jouais le matin à 6 h. Donc là, c'est clair que tu peux envoyer une bonne après-midi de boulot. Là, on jouait à 6 h en partie de 2, donc j'étais pas trop fatigué, donc j'ai pu me prendre un bon déj. Et après la journée, bah, je l'ai organisé. J'ai débriefé un peu avec le cadet, j'ai vu ce qui avait moins bien marché dans cette journée-là. On s'est rendu compte que sur cette journée-là, je me rappelle super bien, que c'était les approches plus ou moins longues, c'est-à-dire les approches entre 15 et 35 mètres. Du coup, voilà, je suis allé en faire 3 quarts d'heure. J'ai fait 3 quarts d'heure de chipping. Pourtant, c'est plutôt un de mes points forts. Mais là, sur cette journée-là, c'est ce secteur-là qui avait le plus pêché. Après, j'avais pas été mauvais vu que j'avais fait une journée, j'avais joué moins 5 ou moins 6, je crois, le samedi. Du coup, je suis quand même allé en faire 45 minutes. Et donc voilà, en gros, après chaque partie, je regarde ce qui a le moins bien marché sur la journée. Et voilà,
je vais sur les Ça, zones j'adore ça, Robin. Tu peux d'entraînement. rentrer un peu plus en détail parce que ça, c'est quelque chose que je Ouais, bien sûr. travaille fréquemment avec mes joueurs amateurs et également professionnels. Je leur demande, après, on fait un gros travail sur le feedback. Comment Ouais, analyser c'est le plus correctement sa important, hein. partie, c'est Savoir bien tellement analyser. important. Ouais, parce que souvent, voilà, quand en revenant à la technique, un joueur va finir sa partie et peut-être qu'il a effectué un mauvais coup au 17 parce qu'il était sous pression et il retourne au practice travailler 1 heure sur quelque chose qui a aucun rapport avec la Ouais, situation c'est qu'il a clair. vécue sur le parcours. Donc, comment est-ce que toi, tu as mis en place un système pour te permettre d'analyser correctement ta partie une fois qu'elle est terminée? Alors moi, j'ai rien mis en place moi-même. Je suis allé chercher ce qui se faisait de mieux pour Ouais. moi. En fait, c'est mon agent Charles D'accord. Angelbert qui s'est renseigné et qui m'a mis en contact avec un statisticien qui s'appelle Tom Boyes et qui est hyper compétent et qui a mis en place une espèce d'application qui s'appelle Top Golf, qui est génial. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Non, Up Game Golf ça s'appelle. Up Game Golf, ouais. Et donc, voilà, je rentre absolument tous mes coups du premier au dernier. Et en fait, Toi ou ton caddie? C'est vraiment toi qui pardon? es. C'est toi ou c'est Ouais, ton c'est moi caddie? qui. C'est toi Non, qui pour rentres. l'instant c'est moi. Et bon, je verrai comment je m'organise. Mais pour l'instant c'est moi. Ça m'aide un peu à me familiariser avec le monde des statistiques. Et Ça te du permet aussi coup, de revenir en j'ai. arrière sur la partie et de pouvoir Ouais, vraiment exactement. correctement. Ouais. Exactement, mais il y a une. En fait, si tu veux, il y a une petite différence avec tous les autres sites de stats que j'ai pu aborder par le passé. C'est que là, en fait, si tu veux, t'as toutes les données avec stroke gain sur tous les compartiments, comme tous les autres sites de stats. Mais là, tu as une donnée qui est vachement intéressante, en fait. C'est que des fois, il est capable de te dire si tu as raté ton coup à cause de ton coup précédent. C'est-à-dire que. Un site de stats banal, il va te dire, voilà, à 30 mètres, tu as eu deux coups à 30 mètres, et deux fois à 30 mètres, tu t'es mis à 6 mètres du drapeau. Donc, par rapport à la moyenne du champ, bah, tu as perdu tant de coups. Ok. Maintenant, lui, son application, elle va aussi prendre en compte le fait que, par exemple, tu es à 30 mètres, tu as un chip de 30 mètres, et le drapeau, il est 2 mètres derrière un bunker. Et donc, du coup, on sait très bien que les coups de 30 mètres pour arrêter la balle, c'est les plus durs. Et en gros, du coup, lui, il va dire que ta faute, elle était sur ton coup précédent. C'est-à-dire que tu t'es mis dans une situation où à 30 mètres, t'as quasiment aucune chance de faire approche-pote. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'à intéressant 30 ça. mètres, de laisser ta balle à 6 mètres, alors que t'as un bunker devant et le drapeau de 2 mètres derrière, t'as fait quasiment un super coup, tu vois. Alors que t'es à 6 mètres du drapeau et que dans un site de stats banal, bah, tu vas perdre des coups, alors que, enfin, malgré tout, t'as fait un très bon coup. Et t'as fait approche de pote parce que ton coup précédent, tu as très mal réfléchi. Donc on va directement à la cause de la problématique. Ouais, exactement. Et on va pas, voilà, on rentre vraiment dans le détail du pourquoi, du comment, et de pas être superficiel sur juste, on regarde Voilà. uniquement le coup en question, et de dire, merde, à 30 mètres, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait sortie, c'est Exactement. juste de comprendre les Il y a des statistiques, fois, ouais, super. tu regardes ton récap de partie et tu te dis, putain, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir super bien chippé et pourtant aujourd'hui, je suis à moins 1 en stroke gain. Et en fait, tu te rends compte que tu t'es laissé des chips aujourd'hui qui étaient super durs et que du coup, bah ouais, au lieu de te mettre à 1 mètre, tu t'es mis à 3-4 mètres. Mais bon, un chip difficile, 3-4 mètres, c'est loin d'être un mauvais chip, tu vois. Donc, Bien sûr. ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce truc. Et du coup, voilà, bon, Et après, c'est ça qui me quand permet tu reviens d'analyser. sur ce coup en question, donc dans l'exemple que tu viens de donner, on va dire que c'était le coup avant le coup qui a fait en sorte que tu es allé dans ce bunker à 30 mètres du drapeau. Ouais. Est-ce que là, tu te poses la question, quand tu es sur le coup en lui-même, est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'était physique, mental, technique, stratégique? Est-ce que tu arrives à faire un pas en arrière et vraiment de regarder la situation et de comprendre quel élément finalement n'allait pas dans le manque de réussite du coup en question? Bah là, justement, ce qui est top, c'est que du coup, aujourd'hui, j'ai un cadet qui est hyper expérimenté, qui s'appelle Chris Lilley. Et j'ai en plus que statisticien, donc du coup, j'ai deux avis extérieurs. Et du coup, je peux plus me tromper sur la cause, quoi. Même si moi, par un manque de lucidité ou parfois, voilà, on est un peu fier, les golfeurs, on n'a pas envie de se dire que c'est moi qui avais raison, tout le temps. Du coup, ouais, je sais qu'à chaque fois, j'ai la bonne raison de pourquoi j'ai raté ce coup-là ou pourquoi je me suis mis dans cette mauvaise situation. Et voilà, du coup, maintenant, je sais que je peux plus me tromper, quoi. Donc, voilà, j'analyse le truc à chaque fois à plusieurs.
quand le statisticien n'est pas là, je le fais quand même tout le temps avec avec mon CAD. Voilà, après on arrive sur les zones d'entraînement spécifiques, on rebosse un peu le coup et voilà. Voilà comment ça se passe après la partie. Après, je fais toujours, quoi qu'il arrive, je fais toujours 15-20 minutes de putting après chaque partie. Ça, Ah, c'est quoi qu'il arrive, ça c'est la. quoi qu'il arrive. Ouais, même si j'ai fait 19 putts sur la journée, je fais toujours 15-20 minutes derrière. Une raison particulière? Déjà parce que j'adore ça. Je suis le putting, c'est quelque chose vraiment que j'adore. Ça me fait vraiment du bien d'arriver sur le green, poser mes trois balles et de les voir Et rouler. peut-être. Ça, c'est le premier truc. Et puis après, ça, je trouve que moi, c'est un truc qui me détend. Voilà. Que t'aies passé une bonne ou une mauvaise journée, tu te fous sur le green et voilà. Tu te mets 15 minutes à putter. En plus, on a la chance sur le tour, les greens, c'est Ouais. vraiment un bonheur, quoi, de putter sur les greens. C'est un Des kiff de exercices en fou, quoi. particulier que tu fais au putting après quand tu as terminé? Parce que tu Ouais, parlais de 3 balles, il y en a. est-ce que tu splits ta séance de 15 minutes en une partie technique, une partie performance? Ouais, exactement. Raconte-moi. Ouais, bien sûr. Il y en a un que j'adore faire. C'est en fait, je me mets à, donc je prends le trou, je prends 4 ou 5 balles et je me mets à 30-40 cm du trou au départ. Je dispose les balles autour du trou. Je me mets pas plus loin de 30-40. Forcément, j'essaie de les rentrer dans le trou, mais le point sur lequel je me concentre le plus, c'est mon stroke. Et j'essaie d'évaluer mon stroke de 0 à 10. Et j'essaie de faire à chaque fois un 10 sur 10, tout le temps. Et tant que j'ai pas fait 5 fois de suite le 10 sur 10, je recommence. Et une fois que je me suis rendu compte que je suis à 10 sur 10, 5, 4 ou 5 fois de suite, voilà, j'augmente, je passe à 70 cm, 90, 1,50 m. Et le but, c'est vraiment d'évaluer mon stroke parfait, quoi. Et voilà, Super. au bout d'un moment, tu arrives à 2 mètres, tu te rends compte qu'à 2 mètres, les 5, tu fermes les yeux et elles rentrent toutes, quoi. Donc Ah, ça, j'aime. génial. Ok, J'aime beaucoup génial, faire génial. ça. Et voilà, je fais. Et après, c'est beaucoup plus aléatoire. Je prends juste 3 balles et des fois, je vise rien. Je les fais juste rouler sur le green. J'essaie de ressentir un peu la vitesse du green. Et voilà, c'est tout. Et je fais la même chose à l'échauffement. Le premier D'accord, truc ok, que cool. j'arrive au golf, c'est exactement cet exercice-là. Je me mets 10 minutes sur le green. D'accord, ok, cool. Ça bien, c'est des bons points de repère, c'est des bons conseils aussi pour pour les joueurs qui regardent, parce que souvent on arrive sur le putting green et pour moi, l'erreur, hein, l'erreur fréquente que beaucoup d'amateurs font, c'est qu'ils posent 3 balles et ils commencent à effectuer des putts sans vraiment savoir, sans Ouais. vraiment prendre une notion de la vitesse, de la qualité du putt, du feedback, d'exercice de performance. Donc c'est vrai qu'avec mes élèves de mon académie, j'aime bien splitter une séance d'entraînement en plusieurs parties où il y a une partie que j'appelle du block practice où une personne va faire une série de répétitions à un moment dédié. Ça, c'est peut-être plus pour travailler les sensations ou la technique. Bien Ensuite, sûr. je vais faire de ce que j'appelle de l'entraînement variable où là, on va viser peut-être plusieurs trous et puis on va être au même endroit, mais on va faire un putt à 5 mètres, ensuite 7 et 8. On va changer la cible. Et j'aime bien aussi le performance practice que j'essaie toujours d'intégrer dans toutes les séances d'entraînement parce que voilà, on ne le fait jamais assez. Et là, c'est essayer de reproduire ou simuler des situations ou des sensations de pression qu'on pourrait retrouver sur le Ça, c'est parcours. plus dur, Donc, hein. voilà, exactement. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile en entraînement de simuler des situations de jeu. Par contre, on peut essayer de simuler des sensations de jeu, d'être un petit peu sous pression. Et Ouais, voilà, grave. quand tu te retrouves à essayer de rentrer un nombre défini et que tu arrives sur les dernières, tu sais que voilà, là, tu commences à sentir un peu Ouais, c'est clair. voilà, les choses qui montent un petit peu. Donc, ça, c'est intéressant. Robin, juste avant de continuer, on va parler un peu de ton swing, mais tu m'as parlé de ton agent tout à l'heure et je voudrais vraiment en profiter pour le remercier. Si tu pouvais juste rappeler son prénom et son nom. Ouais, c'est Charles-Ange Albert de la société Subpar Group. Donc, ouais, c'est lui qui m'a mis, qui m'a trouvé pas mal de gens de mon staff aujourd'hui, voire la quasi-totalité, à part Benoît et David. Donc, ouais, je les remercie, j'en profite moi aussi pour les remercier. Bah, nous, on voudrait le remercier parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on réalise ces Facebook Live. Je sais que vous êtes plusieurs Top. joueurs du Tour européen dans l'équipe de Subpar Group. Donc, du coup, vous allez pouvoir retrouver un autre joueur de cette équipe-là la semaine prochaine qui s'appelle Hugo, qui sera en direct avec Rémi Bédu, qui est le deuxième enseignant avec qui on fait les Facebook Live. Donc, un grand merci à toi, Charles, si tu regardes ces Facebook Live pour nous avoir permis de profiter de ces moments-là justement avec un joueur du niveau de Robin et toute la réussite hein, pour ce groupe Subpar là, parce que c'est cool de voir. En fait, la raison pour laquelle j'adore en parler aussi, Gentil. c'est parce que c'est génial de voir des groupes français qui mettent en avant les joueurs français. Et puis donc voilà, on doit tous travailler ensemble pour faire évoluer
le golf français dans la bonne direction. Et donc, c'est génial qu'il faut aussi dire merci aux personnes qui travaillent des fois derrière C'est clair. derrière les cordes. Alors, on va regarder ton swing là. Alors, aujourd'hui, on sait que tu travailles. D'ailleurs, il est là. Tu vois, je ne savais pas s'il était là ou pas. Et là, il vient de dire merci. Donc, il est là, Charles. Donc, un grand merci d'être présent aussi. Tu m'as envoyé une vidéo de ton swing de face et de profil. J'adore. C'est marrant parce que donc j'avais fait quelques Facebook Live avant et je crois que c'était avec Romain Langasque où j'ai partagé un live où on parlait des trajectoires et donc on disait qu'il fallait s'appuyer sur une trajectoire et puis Romain m'a dit après il y a des joueurs il a balancé la phrase comme ça, il a dit il y a des joueurs comme Robin Roussel qui balancent que des traits. Tu vois donc c'est et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés pour la toute première fois, j'avais entendu parler de toi bien évidemment avant qu'on s'est rencontrés, mais quand on s'est rencontrés pour la toute première fois à l'île Maurice lors de la Freja Bank, et je suis venu te voir et je t'ai dit voilà, est-ce qu'on est en train de faire une vidéo justement pour le journal du golf et je voulais en savoir un peu plus sur toi. Et je t'avais demandé, tiens, bah, Robin, c'est quoi ta trajectoire? Et je pensais que tu allais me sortir voilà, un draw ou un fade, ou je pensais que tu allais me dire quelque chose. Et tu dis, bah, écoute, en fait, moi, je mets que des traits. Ah, je t'avais pas dit comme ça quand même. Peut-être pas comme ça, peut-être pas comme ça. J'espère que je t'avais pas dit comme ça. Mais Non, tu m'as dit, tu oui, sais, c'est ouais, vrai que. quand je joue bien, je mets que des traits. C'est Je me vrai. suis dit. Je lui dis, ah ouais, ok, bah vas-y, bah montre, tu vois. Et puis c'est vrai que tu tapais au practice et c'était des fléchettes, quoi, tu vois. Donc c'est intéressant de voir justement bah, comment tu as construit ce swing. Aujourd'hui, on sait que tu bosses, ton coach technique, c'est Benoît Ducoulombier, donc le coach reconnu en France, qui a pu coacher des grands champions français. Mais tu es aussi passé par aussi d'autres pros avant qui t'ont aidé à construire aujourd'hui le jeu que tu as. Ouais, Et exactement. justement, on a une question technique. De la part de Vincent, que je crois que tu connais bien, Vincent Brocciarelli, qui est là, qui dit, demande-lui de parler de son wedging. Demande-lui ses réglages et son travail. Donc, est-ce que tu as quelque chose en particulier à nous dire sur comment est-ce que tu as pu travailler un petit peu tout ça sur le wedging en premier, puis après, on va parler de ton swing sur le long jeu. Alors le wedging, je pourrais t'en parler des heures en fait, parce que ça a été un peu le truc l'arbre qui cachait la forêt en fait de mon jeu pendant des années jusqu'à il y a 3-4 ans où j'ai commencé à acquérir des vraies bases techniques solides dans les autres compartiments. Donc ouais, moi j'ai commencé à devenir bon, si tu veux, bon joueur amateur avec un bon chipping, un bon driving et un bon putting. Le reste, c'était très 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 limite. Et du coup, forcément, quand tu mets l'accent énormément sur quelque chose, tes points forts, c'est ce qu'il faudrait éviter, mais tes points forts, tu les laisses un petit peu de côté, tu vois. Et du coup, le wedging qui était vraiment ma force, c'est devenu, c'est pas du tout ma faiblesse, hein. Je wedge encore très très bien, mais c'est vrai que je wedge moins bien qu'avant. Pourquoi, je pourrais pas te dire vraiment pourquoi. C'est vrai que j'avais un système qui était réglé au millimètre. J'avais des amplitudes, ouais, je savais qu'avec tel club, quand je mettais mon bras gauche parallèle au sol, ça faisait à 1 ou 2 mètres près, ça faisait cette distance-là. Voilà, j'avais plein de petits réglages de sensations corporelles comme ça dans mon système. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à toucher un peu à la technique générale de mon swing, j'ai un peu perdu ces repères-là. Mais voilà, ça fait 1 an et demi que je recommence à vraiment, vraiment bien wedger. Et fou, il était temps que ça revienne parce que, Ça fait du bien. Ok. ouais, ça fait du bien quand même un bon Parce que le wedging. wedging, bah ouais, sur les par 5, sur les par 4, ils vont Ouais, faire un c'est clair. recovery. C'est le wedging, c'est tellement indispensable, hein. C'est Ouais, surtout c'est un au truc de niveau du fou. circuit Mais européen, ça je va dirais que faire c'est la encore différence, hein. plus indispensable sur les tours inférieurs, style Alps Tour ou Challenge Tour, où les parcours sont beaucoup plus courts D'accord. et beaucoup Là, plus t'attaques. ouverts, et où tu peux taper beaucoup plus de drive. Et du coup, des wedges, sur 14 trous, parce que je mets de côté les par 3, sur 14 trous, tu vas avoir, je dis, franchement, en moyenne, tu vas avoir entre 8 et 10 wedges. Donc, C'est vrai? t'imagines. Ah Ah ouais. oui, je te promets. Avec les par 5, hein, parce qu'il y en a qui attaquent les par 5 en 2, mais si tu les attaques pas en 2, ça va te faire. Il y a forcément 4 par 4 où tu vas avoir un wedge. Et voilà, plus que 4 par 5, ça fait 8. Et des fois, quand tu joues des parcours vraiment courts, ah, tu vas en avoir 10. Donc, Ouais, ça rejoint un petit peu ce que disait, j'avais entendu Mathieu de Contigny-Lafond parler là-dessus sur les parcours, sur les tours inférieurs, et en disant que justement c'était
voilà, que c'était open, qu'on pouvait attaquer, que du coup, Ouais, c'est bon. c'était pas forcément la meilleure chose parce que quand on se retrouvait ensuite à monter sur le tour européen, que du coup, on se prenait un peu une claque dans le sens où on avait des parcours qui étaient préparés différemment, Bah que oui, c'est sûr, c'était ça n'a un rien à golf voir. différent, finalement, que c'est un golf différent. C'est clair. Moi, ça m'a fait un peu la même chose quand j'ai grandi en jouant sur des parcours dans le sud de la France. Et quand je suis monté sur Paris, j'ai découvert des parcours plus comme Golf National ou Courson, tu Ah vois. bah Enfin oui, des... c'est sûr. Et là, ça m'a fait un peu bizarre, quoi. Au début, je me suis dit, waouh, il y a un temps d'adaptation, alors que j'avais l'habitude justement de jouer sur des parcours où je tapais drive wedge, drive 9, faire 9. Ouais. Enfin, tu vois, c'était du target golf, quoi, tu Ouais, vois. c'est Donc sûr. c'est vrai que ça, c'est intéressant d'en parler. Je suis en train en même temps, alors je t'ai pas précisé avant le live, Romain, j'en suis désolé, mais malheureusement, donc pour les personnes qui nous regardent pendant le live, Robin a uniquement accès à une chose, c'est ma tête, il me voit que moi, quoi, durant le live. Mais en fait, moi, ce que j'arrive à faire durant le live, Robin, c'est que j'intègre des vidéos de ton swing, je montre Ok, un petit très peu bien. voilà comment tu tapes la balle. Donc les personnes sont en train de regarder ton swing en vidéo, les vidéos que tu m'as envoyées hein, de face et de profil. Ouais, très bien. Et c'est là où je voudrais que maintenant tu m'évoques un petit peu le travail que Bien tu sûr. effectues avec Benoît Ducolombier. Alors il y a une chose qui est très intéressante, c'est que de profil, quand on voit sur la vidéo que tu m'as envoyée, quelque chose que beaucoup de joueurs de très haut niveau font et travaillent, c'est cette première partie de backswing que j'ai l'impression que tu intègres dans ta pre-shot routine, où quand tu es devant la Ouais, balle, exactement. tu fais le takeaway, la première partie, les 60 premiers centimètres. Donc moi, c'est ce que je repère hein, quand je regarde ton swing là, mais Ouais, évidemment, je voudrais que toi, c'est maintenant, tu me exactement parles ça. un... C'est ça? D'accord? Ouais. C'est quelque chose que tu es en train de travailler avec Benoît en ce moment? Bah, en fait, c'est un des trucs que j'ai le plus travaillé au tout début, quand il m'a pris en main, il m'a dit, ouais, moi, je veux bien qu'on travaille ensemble. Maintenant, ça va être très compliqué parce qu'on a changé beaucoup de choses. Est-ce que t'es prêt? Je dis, vas-y, on fonce. Et c'est un des premiers trucs qui m'a dit de faire. En fait, il m'a tout de suite demandé de faire un petit wiggle, donc un tout petit mouvement d'échauffement, voilà, comme tu dis, sur les 60 premiers centimètres. Centimètres. Et en fait, voilà, pour lui, le plus important dans un swing de golf, c'est le premier tiers ou voilà, le premier quart. C'est ce qui te donne l'élan. Et en fait, si ton club est dans le bon chemin et est bien placé sur ce premier tiers, bon, ça va te faciliter vraiment pas mal de choses par la suite du mouvement. Du coup, moi, ce que je faisais de mal avant, c'est que je montais au club tout de suite très fermé et souvent très à l'intérieur. À l'intérieur fermé. Donc, Ouais, donc ça peut tu mettais beaucoup pas. de balles soit très à gauche, Soit très soit à ça gauche, part. soit très en push. Ouais, exactement. Donc, je galérais un peu. Et donc, voilà, maintenant, j'essaie d'avoir la face beaucoup plus square, au moins sur les 60 premiers centimètres et beaucoup plus dans le plan. Donc, voilà, pour m'aider à faire ça, voilà, je fais juste un tout petit wiggle. Voilà, maintenant c'est Ça, c'est quelque chose, quasiment. Robin, je Maintenant voudrais... je peux plus taper une seule balle sans Ouais, le sans le faire, ce faire. wiggle. Ouais, et ça, c'est... Donc, voilà, aujourd'hui, bon, on va dire que c'est pas la grande mode, mais le terme personnalisation de swing arrive très fréquemment dans les conversations quand on parle du haut niveau. Et évidemment, quand on regarde les 20 meilleurs joueurs au monde, on remarque que tout le monde a sa signature de swing, tout le monde a sa façon de swing un club de golf. Mais par contre, la première partie du backswing est quelque chose qui est souvent similaire chez les très grands joueurs, ceux qui sont le Ouais. plus réguliers. Cette première partie du backswing est vraiment indispensable. On dit souvent que le downswing est plus important que le backswing. Oui, c'est vrai. Mais le takeaway et le backswing peuvent énormément influencer ce qui va se passer Non, c'est dans sûr. le downswing et à l'impact. Donc, le fait que voilà, je te retrouve dans cette première partie du backswing à faire ton takeaway, c'est quelque chose qu'on voit chez Rory McIlroy, qui est actuellement numéro 1 mondial. Voilà, donc c'est quelque chose que moi, j'enseigne. Franchement, Tu préconises quoi? ouais, je préconise, et puis honnêtement, je travaille tellement souvent avec les joueurs amateurs, même si on travaille sur différentes choses à chaque fois, mais c'est vrai que cette première partie du backswing, je pars toujours du principe qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent se passer par la suite. Une fois que le club est plus neutre, plus square, comme tu l'as dit, et quand il arrive dans une position où tout démarre ensemble, où le club arrive, où il est parallèle par rapport à la ligne de jeu, quand les mains sont à peu près à la hauteur des hanches. À partir de là, ça va être compliqué de faire beaucoup de mauvaises choses, quoi. Tu vois, de là, Ah, ça c'est va sûr. simplifier les choses, ça va neutraliser les trajectoires, ça va améliorer le contact de balle. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses qui vont se passer suite à Ah, ça. c'est Et puis, sûr. en Moi, de plus, toute toi façon, qui... je l'ai vu de suite, hein. Bon, ça m'a pris du temps, mais rien que l'année passée sur le Challenge Tour, il y a des semaines où j'ai pas eu l'impression de faire des coups exceptionnels, mais c'est juste qu'une fois que tes mauvais coups, ils sont moins mauvais, tu t'en rends pas compte tout de suite, mais une fois que tu fais le débrief de ta semaine et de ton tournoi, je te dis, ok, j'ai pas eu des super sensations, mais malgré tout,
j'ai quasiment pas raté vraiment des coups, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que Ouais. j'ai été aussi régulier et que j'ai raté deux cuts, je crois, l'an passé. C'est juste que avec les changements techniques que j'ai faits, même si j'ai pas fait, je pourrais pas te dire combien de scores en dessous des moins 5, moins 6 j'ai fait. Voilà, j'ai pas fait, j'ai fait une fois moins 9, mais j'ai pas envoyé des tournois avec 10 coups d'avance, si tu veux. Les bases, ce genre de bases techniques, en fait, elles te mettent un niveau de sécurité dans ton swing et dans tes coups qui font que bah, je fais plus des gros ratés comme je faisais avant qui me coûtaient 2 voire 4 points par partie quand tu sortais de 2 balles hors limite. Voilà, ça je sais que c'est des choses que je fais plus et c'est hyper ça met hyper en confiance quand tu sais que tu dois mettre un drive ou à droite t'as un obstacle d'eau et à gauche t'as un hors limite et que le fairway il fait 20 mètres. Je te dis bon bah voilà, je sais que 9 fois sur 10 quand je mets une quelque part, ma dispersion c'est 7 à droite, 7 à gauche. Bon bah voilà, je peux viser le milieu, envoyer la foudre et si je rate à droite, bah, il ira à droite mais pas dans le haut, si je rate à gauche, il ira à gauche mais pas hors limite. Est-ce que Ça c'est c'est vrai que le fait ça de l'intégrer dans ta routine, dans le sens où juste avant de taper, il y a ce mouvement de takeaway, est-ce que c'est quelque chose sur lequel qui te rassure aussi quand tu es sur le parcours et que tu fais ce petit mouvement-là, juste envie de taper? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies quand tu es sous pression pour te permettre justement d'avoir cette sérénité devant la balle? Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies, mais maintenant, c'est devenu inconscient. C'est-à-dire, c'est 100% sûr que je m'appuie dessus, mais maintenant, c'en est même plus conscient. C'est juste que si on devait me dire, ce truc-là, tu l'enlèves, là, je te dirais, non, là, je peux pas l'enlever. Là, ça me poserait problème de plus le faire. Par contre, je dirais que je m'appuyais plus avant dessus, si tu veux, c'est quelque chose qui me rassurait plus. Parce que le changement technique, il n'était pas encore ancré dans mon mouvement. Et du coup, j'avais encore besoin de faire ce petit check-up, tu vois, avant de démarrer le swing, en me disant, OK, c'est comme ça qu'il faut que je démarre le swing. Maintenant, avant, si tu regardais mon waggle et mon vrai démarrage, il y avait quand même une petite différence. Maintenant, si tu regardes mon waggle et quand je démarre, je pense que c'est le même. Mais oui, forcément, je m'appuie encore dessus, puisque, si tu veux, c'est comme tout dans ta routine, tu te la prépares en amont de ton tournoi ou même de ta saison. Tu te dis OK et tu la prépares en fonction de ce que tu vas avoir besoin dans ton swing et les changements que tu fais. C'est comme une routine de putting. Il y en a qui font pas de mouvement d'essai comme Rory et il y en a qui ont besoin de faire 3, 4, 5 mouvements pour sentir un peu le dosage parce qu'ils bossent un petit truc technique. Donc c'est vrai que la routine, tu t'appuies dessus. En fonction de tes besoins et aussi un petit peu de tes chantiers techniques du moment, quoi. Super, super. Tu vois, je suis tout à toi là. T'as vu, je t'écoute, je suis à bloc. Je trouve ça Yes. génial. Ouais, c'est top toutes les informations que tu es en train de donner. Il y a une question là de la part de Rémi Bédu, donc qui intervient sur les Facebook Live aussi, donc pour revenir un petit peu à ton entraînement quand tu parlais tout à l'heure, quand tu te mettais un peu sous pression, ouais, c'est vrai que c'est une question que je trouve très intéressante. Est-ce que tu te donnes des gages quand tu manques tes objectifs à l'entraînement? Donc, on parle tu vois, l'entraînement dans l'aspect performance maintenant pour te mettre en condition ou te mettre sous pression. Donc, est-ce que tu te donnes des gages ou, tu vois, donc Rémi donne l'exemple de faire des pompes, nettoyer tes clubs ou ton partenaire d'entraînement. Moi, j'ajouterais peut-être, est-ce que c'est payer la note au restaurant quand tu sors avec les amis? Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui. Voilà, Voilà, je je trouve sais très bien. que. Je... ouais, voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a Non, des fois alors ça. oui, on peut se faire ce genre de choses, mais moi, ce que je fais, parce qu'évidemment les pompes et laver les Ah, clubs, tu le fais déjà, quoi. voilà, on est censé déjà le faire nous. Mais non, moi, le gage que je me fais, j'aime bien me faire comme tu dis, des petits exercices de performance, chipping, putting. Et en fait, tout simplement, le truc, j'essaie de mettre un truc quand même assez difficile. Style, j'aime bien mettre autour d'un green, pas très loin du green, que les chips soient pas très compliqués. Mais je me mets 10 balles. Et sur le green, je sais pas, il va y avoir entre 7 et 8 trous. Et voilà, faut que je rentre le même chip sur tous les trous avec mes 300 wedges. Donc ça va faire 8 chips sur les 8 trous différents. Donc avec 300 wedges, ça fait 24. Il faut que je rentre 24 chips. Et tant que je n'ai pas rentré les 24, je pars Faut que tu pas. les rentres, faut que tu rentres Ouais. dans le trou. Ah ouais, Ouais, c'est ça. ça peut prendre du temps Et ça. t'as que 10 balles, donc c'est pas comme si t'en avais 60 et que tu pouvais les taper, tu vois, à la chaîne.
Donc voilà, ça je sais que j'aime bien faire. En général, j'aime bien le faire à Ozoir, parce que bon, quand j'arrive sur le... Ce qui est chiant, enfin ce qui est plus ou moins chiant quand tu arrives sur les tournois, c'est que le green est souvent plein de balles, du coup bon, ça peut prendre encore plus de temps, mais c'est vrai que quand je suis tout seul ou que quand je vois que je vais avoir le temps, en général j'arrive à, je m'y mets à 10 h et tu vois, je me dis bon bah voilà, tant que j'ai pas fini le truc, je vais pas déjeuner. Voilà. Et je me souviens à Ozoir où je me rappelle m'y être mis à 10 h 30 et à 15 h j'y étais encore. Super, super, c'est Donc vraiment voilà. des Ça, ouais, c'est le genre vraiment. de truc que je peux me faire pareil au putting. Après, chacun se trouve son petit jeu avec ses propres challenges, mais Ouais, c'est super, ça c'est des exercices de performance. On est vraiment dans la performance et dans la reproduction des sensations qu'on pourrait ressentir sur le parcours. On est dans l'intensité, on est dans la concentration pure et on est surtout ouais, dans c'est ça. la concentration de performance. On est là pour scorer. Donc c'est pour ça que c'est très important de déterminer les différentes étapes d'un entraînement. Parce que souvent les amateurs, ce qu'ils font, ceux qui nous regardent et autres, c'est qu'ils mélangent en fait tout dans l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils vont bosser à la fois sur la technique, mais ils veulent la performance en même temps. Et c'est très compliqué quand tu vas bosser quelque chose de mécanique ou sur une répétition. Tu vas pas forcément être à la recherche de la. En tout cas, pour moi, je dis toujours qu'il faut baisser le taux d'exigence sur la performance quand on est en train de travailler quelque chose de La mécanique, donc de technique, c'est technique, vrai. puisqu'on est à la recherche de la sensation et qu'on est dans la performance. Par contre, c'est là où le taux d'exigence monte et là, on est dans un objectif de scorer et sur le parcours, c'est ce qu'on a besoin de faire. C'est qu'on a besoin C'est d'y ça. aller pour une seule chose, c'est scorer. Donc, merci vraiment à toi. Oui, Robin, je on t'en prie. arrive, tu vois, ça fait presque 55 minutes, donc ça fait presque 1 heure qu'on est en live. C'est pur plaisir. T'as vu, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que ça va super vite, tu vois, donc Ouais, c'est c'est clair, moi 55 aussi, c'est minutes. vrai. Donc tu as partagé vraiment beaucoup de belles choses avec nous, ce que tu travailles avec Benoît, ton système de préparation physique que j'adore, où tu dis, voilà, le période de confinement, je la vis comme une sorte de période hivernale, un petit peu, tu vois, similaire, où Ouais, c'est ça. je suis en tournoi, je suis en période où il n'y a pas de tournoi, mais ensuite, quand je suis en tournoi, voilà ce que je fais, donc de vraiment différencier la chose entre les deux, quelque chose qui peut paraître logique, mais que, tu vois, c'est un rappel, parce que, voilà, beaucoup de personnes, peut-être qui écoutent, font la même chose tout au long de l'année, et en fait, il faut réaliser que non, en fait, il y a des périodes de compétition et des périodes hors Non, c'est sûr, compétition, ouais. donc voilà, il y a vraiment des moments très importants. Il y a pas mal de personnes qui étaient là pour te féliciter aussi. Donc, Robin, en fait, peut pas lire les commentaires. Peut-être Super tu les lirais gentil. après dans le replay, mais tu Avec vois, plaisir, je viens. apparemment, je crois qu'il y a un ami à toi qui est là, qui dit Clément Poletti, qui dit il aime bien perdre de l'argent en pétanque, à la pétanque aussi. Ouais. Il fait bien, ouais. Derrière son écran, il doit être bien, ouais. Faut lui demander combien de clubs il a cassé sur le chipping green d'Ozoir. Ok. Robin, reste avec moi juste une fois que le Ouais, live ça est marche. terminé pour un off, mais je voudrais toujours, comme je le fais à chaque fois quand je suis avec un joueur ou un invité, je laisse toujours le mot de la fin. Donc si tu as voilà le petit mot de la fin pour toi avant qu'on se retrouve sur Skype juste après. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à Lewis au Journal du Golf de nous donner la possibilité d'échanger, parce que malgré tout, nous aussi on aime bien, nous aussi ça nous fait plaisir pendant ce confinement de pouvoir échanger un petit peu. Voilà, portez-vous bien, faites attention et hâte de vous retrouver sur les parcours, parce que là ça commence à faire long quand même. Ça commence à faire long, c'est Bon, vrai que ciao. je finirai là-dessus. J'ai une question que je n'ai pas lue tout à l'heure, mais on a reçu, je crois que c'est Jean-Philippe Rodin-Berger. Encore une fois, on le remercie pour les images qu'il nous a données, mais savoir si tu as eu des nouvelles sur une reprise du circuit européen. Est-ce que tu as des dates? Est-ce que c'est toujours un peu flou? C'est On a un peu toujours un plus peu de. flou, Toujours un peu flou. Ouais. On sait qu'il y a des ouais. Ouais, tournois c'est qui ont été toujours. annulés, mais le tour Ouais. européen est en ce moment un petit peu en train de se chercher hein, sur la reprise. Voilà, ils sont un petit peu. Ouais. Bah, comme tout le monde, hein, je crois, pas seulement que le tour européen, enfin, j'imagine que tout le monde est pendu aux décisions de tous les gouvernements, Bien quoi. Donc, sûr. de toute façon, ouais. Franchement, nous aussi, on est dans le flou. Pour l'instant, ce qui commence à se dessiner, c'est début septembre. J'espère que ce sera plus tôt, parce que début septembre, c'est encore dans super longtemps, quoi. Donc voilà. Ok, cool. Moi, Jean-Philippe, vas-y, vas-y, dis-moi, vas-y. non, je dis j'espère que ce sera plus tôt. Je pense que ce sera plus tôt, mais voilà, c'est tout. Bon, on part sur août, septembre, quoi. Finalement, Ouais, ça va être exactement. c'est un peu là, c'est un peu J'espère. le.
Ouais, on espère, on croise les doigts. Jean-Philippe Prince qui est là, qui dit ce joueur mérite vraiment de réussir et il réussira. Yves qui dit merci, Marie-Antoine qui dit merci à vous deux, il y a Michel qui met plein de pouces, des pouces, des émicônes. Thumbs Thumbs up, des thumbs up. up, Michel. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont pu regarder ce live demain. Donc il y a effectivement Rémi Rivière qui est derrière l'écran, qui partage le programme de demain. Qui dit demain un programme chargé vous attend. Il y aura des questions-réponses sur la technique, des rendez-vous à 11h, 14h et 17h. Merci encore à vous pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore une fois à Robin que nous on reste ensemble. Et puis on vous souhaite à Yep. tous les deux une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, ciao.